Où va-t-on maintenant? J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau, disons. Est-ce que tu dois m'inquiéter? Non. Ah, mais moi je n'ai rien pour toi. Eh bien, bonsoir et bienvenue pour notre 8e épisode sur God of War Ragnarok. Quelque chose. Bien sûr. Et tu... Sommes-nous les seuls géants restants? Oui et non. C'est assez cool. Je veux savoir. Ce sera plus simple de te le montrer. Je te promets. Et ma prophétie, alors? Si elle dit vrai, que dois-je faire selon toi? Peu importe. Tu ne peux pas changer ta destinée. Tu peux faire ce que tu veux pour l'éviter. Ce qui doit arriver, arrivera. Tu veux dire que personne n'a jamais changé son destin? Jamais? Enfin... Si, peut-être dans les détails, mais... Le résultat final sera le même. Mieux vaut suivre sa voie que tenter de la changer. Quelque chose me dit qu'on devrait voir quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Un élévateur. Nous devrons laisser Yala ici. Nous devons monter. Je suis. Pas là. Ce cadeau, j'ai pas l'impression qu'il te plaise beaucoup. Oh, je crois qu'il y avait un coffre là-bas. Que veux-tu ah dire? Non. Tu... C'est juste un chemin. Tu comprendras quand nous y serons. Je me demande encore combien de temps est-ce qu'on va rester du coup ici. Parce qu'en soi, ça fait quoi? Ça fait déjà pratiquement une heure. La séquence est vachement longue. J'aime beaucoup. Attends que j'accomplisse ma part de la prophétie. Viens avec moi. Il y a tellement d'endroits en plus à explorer. J'espère qu'on pourra revenir ici. Oh non. Je m'en charge. Eh bah vas-y alors. Hop. Nickel. Ouh, il y en a d'autres. Finis-le. Yes. On avait pas du soin là, non? Il se débrouille plutôt bien. Oh, sérieusement. Hop. Vas-y, prends le soin. Mets-toi à fond. Hop. On a bien amoché. Nice. Ouh, attention, il y a un peu de monde là. Oh, comment ils ont voltigé. Nice. Il y a un petit lock hein, quand même. Ça se ressent. Et tu vas mourir, oui. C'est bon. J'en étais sûr. Attends. Vas-y, viens à moi. C'est bon. Yes. On y va. Ils sont plutôt nombreux. Nous arrivons à la vallée des disparus. Que leur est-il arrivé? Ils étaient là de vivre dans la peur d'Asgard. Alors, ils se sont cachés. En laissant une pile de corps pour tromper Odin, s'il venait à entrer dans Jotunheim. Où se cache-t-il? Tu verras. Oh mais c'est énorme. C'est juste énorme. Ça ira. Effectivement, elle sait se débrouiller. Waouh.
autre bille. Quoi? T'en as déjà vu? Pas celle-là, mais j'en ai trouvé à Midgard. Où ça? Dans les fresques de ta mère. Oh, mais alors... Il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Tiazi. Rosser. Et attention. Bara. Des géants. Elles sont à des géants. Elles sont les géants. Ils avaient le choix. Rester à Jotunheim, à attendre qu'Odin trouve un moyen de les exterminer. Ou se cacher. Mon père les a aidés à insuffler leurs âmes dans ces billes. Et avant sa mort, il me les a confiés. Dans ces billes. Ils sont en paix. Maintenant, tu en as la responsabilité. Tu es sûr? Eh bien... Ma mère a vu ça. Tu es censé savoir quoi en faire le moment venu. Oui, mais quand? Je n'en sais rien. Rentrons. Mais c'est... une sacrée responsabilité. C'est vrai. Et c'est la tienne. Hé, hey, tout va bien? Oui. Oui, non, juste, j'ai fini. En fait... Maintenant que je te les ai donnés, je n'ai plus de rôle à jouer. C'est terminé. Tu pourrais venir avec moi? On affronterait Odin ensemble. Si j'étais censée combattre à tes côtés, je ne disparaîtrais pas au beau milieu de ta fresque pourrie. Je comprends. Mais... mieux vaut ne pas les séparer. Tu ne crois pas? Allez, avance. Les Tristounets et tout ça. Le plus haut pic des royaumes. La seule fois où je suis allé à Jotunheim, c'était avec mon père. Tu connais les doigts du géant? J'y ai répandu les cendres de ma mère. Ça me paraît tellement loin. Et ah mais donc oui! C'est pas parce qu'il y a cette fresque débile que ton histoire doit s'arrêter là. Je sais. Enfin, j'ai des projets seulement. Pour la partie des géants, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je deviens? Mon ami? J'ai enfin de comprendre qu'en fait on était déjà venu ici à la fin du Attends, précédent tu jeu. Tu as senti ça? Senti quoi? Aide-moi avec ça. Il faut qu'on rejoigne Yala. Il y a quelque chose qui cloche. Ça sent mauvais tout ça. Et donc oui, je pense qu'on pourra revenir ici quoi. Yala, Anger Boda, tu veux bien? Elle va bien? Non. Loki, qu'est-ce qui se passe? Oh bordel. Pas, oh bordel. Je reviens. Ouf. Viens le fort. Attention. Vas-y. Ulfa, où ça?
Mais non, mais... Bon, tu sais quoi? Je vais garder mon truc, mais en fait, laisse tomber. On va le bouffer. Mais c'est... Oh. En fait, j'ai pas le temps d'armer ma flèche. Ouf. Putain, il fait sacrément mal. Oh la vache. Mais laisse-moi tranquille. Oh la vache. Putain, mais t'as même pas le temps de t'arrêter quoi, il faut que tu bouges en permanence. Allez, on l'a presque. C'est parce que bon... C'est bon. Où es-tu? Oh la vache. Yala va bien? Oui, tout va bien. Désolé pour ça. Alors... C'est Ebi. C'est vraiment tout ce qu'il reste des géants? Peut-être pas. D'autres ont juste... disparu. Mais... où peuvent-ils être? Nulle part dans les 9 royaumes. Du moins, pas qu'on sache. On a trouvé un fruit de Jotunheim. J'en ai à quoi ça va se servir. Yes, par contre, celui-là... il était chaud, chevaux. Hein. Para. Après ces rochers, il y a une doline. C'est là que nous allons. Nous devrions... quelque chose ne va pas. Personne ne croyait que ce lieu existait. Ils vont être drôlement surpris. Loki, tu ne dois parler à personne du bois de fer. Pas même à ton père. Si ce lieu est en sécurité, c'est avant tout parce qu'Odin ne le cherche pas. Je peux tenir les animaux à l'écart, mais si Asgard devait débarquer... Je comprends. Désolé. Je n'en parlerai pas. On dira rien, t'inquiète. J'imagine qu'il faut remonter là-dessus. Non? Tola. Oh non. Atnou, on a de la visite. J'ai failli lui tirer une flèche. Bonjour. Au revoir. Encore un fruit. Quel loup tu vas donner ce verdule? Au premier venu. C'est peut-être... Regarde la doline qui approche. Elle est pleine de créatures. Avant, au fond, je trouvais un tas de ressources pour peindre. Ah oui? On devrait les chasser. Ton matériel de peinture est précieux. Si tu en as envie, bien sûr. Oui. Pourquoi pas. Lynn. Ouf. Il m'a popé sur ma face, lui. Ah mais ok, maintenant je comprends mieux, en fait, l'histoire des fruits, c'est juste les fruits qu'on a récupérés la dernière fois. Donc c'est bon, en fait. Parfait. Hey. Hey, j'ai... Tu es une fleur? Oh, c'est... c'est pour toi. Merci, mais... garde-la. Oui, bon, on cherche des nids de calamité. C'est là que je trouverai les ressources. D'abord, laisse-moi prendre tout ça. Voilà. Je te suis. Il fait tellement noir ici. Je vais arranger ça. Waouh. Des calamités, il y a tout un nid. Elles sont partout ici. Viens pas. Putain, attends, il faut que je détruise tout ça. C'est bon. En allumant plus de torches, nous pourrons les voir, les éliminer et ramasser ce qu'elles nous restent d'utile. C'est parti. Passe devant. Moi, j'allumerai les torches. Entendu. Ah, oh, il y en a là-bas. Ah non, c'est un... C'est quoi, c'est un drogue? Oh non. C'est bon, il est mort. Ok, attention. Oh, ils sont horribles, ces trucs. Ouf. On a même plus les lames du chaos, en plus. Ouvre-moi ce truc. Merci.
Oh mais toi, je vais te défoncer. C'est bon. Comment je fais pour aller là-bas? Pas de soucis. Je crois que nous approchons d'un autre nid. Il m'a fait peur lui. Entendu. Vas-y. Yes. Putain. Oh lui. Je l'ai réveillé. C'est bon. J'étais sûr que c'était un nid ça. Attends, j'ai envie de le bousiller complet. Nice. Peut-être falloir faire attention à ma vie, hein. Ok, on peut le finir. Hop. C'est bon. Y aurait pas une source de lumière ? Par mon nom. Nice du soin. Ensuite, ils en voient rien. On voit que dalle. J'espère juste que pour vous, ce sera pas non plus méga trop sombre. En vrai, je pense pas. Il fait bien plus froid ici. Tu devrais voir Midgard. Tu peux rien faire là? Non, ok. Oh par contre, je sais pas comment on fait pour accéder au coffre là-bas. C'est pas dommage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bon. Ok, visiblement c'est par là. Alors attends, mais c'est un truc plus haut. Ça devrait aider. Nice. On a juste fait le tour là. C'est bon. Oh non. Oh, il est rentré. Il est rentré dans la terre. Oui, on revient. Non, c'est bon. Ok, on l'a tué. Je m'en charge. Comment j'ai défoncé? Oh la vache. Ça en est pris dans tous les sens. Je veux bien te croire. Attention, les nids ne sont pas tous en bas. Ils peuvent se trouver tout en hauteur. D'accord. Y a rien. Si. C'est bon. J'étais sûr qu'il y en avait un autre. Laisse-moi prendre ça. Autant tout éclairer. Hein. Ouais, je sais que c'est par là-bas. Par contre. Bon prix. Laisse-moi fouiller un petit peu. Ça fera pas de mal. Je pense qu'il y en a un autre pas loin. Et voilà. Je m'en occupe. Ah ah. Les fameux coffres. Nice. Par contre. Ah bah non, c'est bon. J'ai cru qu'on allait faire tout le tour. En fait, pas du tout. Vas-y. On peut le finir. C'est bon. Ils sont pas très puissants en vrai. Bah on va revenir sur nos pas déjà. Oh, attends. Hé hé. C'est quoi ça?
Ouf. C'est bon. On l'a défoncé. Je te couvre. Vas-y, détruisons lui, il faut tout détruire. C'est bon. Sûrement un des derniers. Ah non, 3 sur 4. Poligny. Y'a rien d'autre. Vas-y, du coup, on va aller par là-bas. Ce serait facile de se perdre ici, hein? C'est bon, on s'en sortira. Il y a un nid de calamité pas loin. Par là-bas, j'imagine. Bon, en fait, il n'y a que dalle. Ouais, bah, il faut bien les trouver, hein. Moi, je reprends mon chemin. En plus, il y a un coffre. Ah bah tiens. Vas-y, balance tout. C'est bon. Je crois que c'était le dernier. Merci. Est-ce que tu te sens mieux? Un peu. Repartons. Je sais, d'accord. Bon, du coup, faut aller par où là? Ça sent un peu bizarre. Comme l'eau croupie. Visiblement, on parle là. Mais j'y étais déjà, hein. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y avait pas le gros de tout à l'heure. Oh, mais. Ouh, attention. Vas-y, on va le bouffer. Ça a pas fait grand chose, hein, j'ai l'impression. Oh, attends, on peut déjà le prendre? Ah non, ok. On l'a bien assommé, amoché. J'ai plus à parler. Oh non! C'est bon. Ouf. Là, c'est horrible ces trucs-là. C'est bon. Allez, tu vas mourir. C'est bon. J'ai plus qu'à s'occuper des petites merdes là. Ok. Bon, ça va. Il était impressionnant, mais pas. Prête à sortir. Pas très compliqué. Par contre, on sort par où? Oh. Ok. Rentrons à la maison. Tu sais, je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil pour toi? Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté? Je le pensais. On rebrousse chemin? Faisons plutôt le tour de la doline, ce sera plus rapide. Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir? Certains. En rêve. Eh, oui! J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi? Vraiment? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Ouais, franchement, il était pas très sympa. Mais bon. On l'a défoncé. C'est ce qui compte. C'est tellement beau. Et calme. Qu'est-ce que c'est? Quoi, les lucioles? C'est dangereux? T'es adorable. C'est joli? Oui.
On arrive juste à temps. Pourquoi ? Oh, waouh ! Je sais que ça a pu être étrange, de bien des façons. Mais je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Franchement, très beau. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire, après le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas débordée. Eh bah tiens, du coup, ça répond à ma question. Tu peux y arriver. Y'a quoi en haut ? Un raccourci. Donc ça veut dire qu'on peut toujours y revenir. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment doué. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui, ça fonctionne. Redemande-moi, Doran. C'est pas trop tôt. Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Oh, le pauvre. Qui était-ce ? Grilla. Elle. Non. Que lui est-il arrivé ? Je ne sens rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Par contre, j'ai l'impression qu'elle était vachement badass. Oui, j'avais vu. Peur de quoi là ? Ah. Ok. Ah oui, ils sont plusieurs en plus. Bon, ils sont pas très forts par contre. Ah oui, vite et pas qu'un peu, hein. Ouh, attention. Parfait. Tu vises dans la tête et ça marche très bien. Encore un, enfin encore plusieurs même. Nice. Encore. Vas-y. On va rester à l'écart hein, parce que ils ont l'air d'être un peu vénères. Selon mon avis, il doit faire pas mal mal. Si nous rencontrons Grilla, ne fais rien de trop radical, s'il te plaît. Pourquoi ? C'est ma grand-mère. Quoi ? Elle n'a pas toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son destin, elle a changé. Oui, je vois. Nous allons devoir trouver un moyen de passer. Ouais. Ah. Je pense que là, ça devrait être bon. Yes. Quelque chose de l'autre côté ? Je regarde. Ah, c'est bon en fait. Ah,
Par contre... Ah non, attends. Bien. On peut poursuivre. Ah ok, d'accord. Je pensais que c'était la suite, mais pas directement. Une suite indirecte. Wolver ! Oh non. Je couvre. Ouah, c'est quoi ce bordel ? Hop. Non, j'ai loupé. J'ai un peu l'impression qu'il y en a deux. C'est prêt. Ok, c'est bon. Il y en a peut-être un peu plus que deux même. Vas-y, finis-le. C'est bon. Oh là là. Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici au fil du temps? Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regrette. Je ne sais rien à son sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. Viens le fort! Un coffre. Franchement, j'ai l'impression que dans celui-ci, les coffres sont beaucoup plus denses sur ton chemin. On parlait à l'ancien. C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges, mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. J'imagine que c'est par là. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. Par ici. Mais je pense que c'est une géante, hein, parce que les portes sont énormes. Bah tu te débrouilles. Non, attends. Regarde. Ne bouge pas, je vais te créer un passage. Merci. Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux? Elle peut vivre des instants de leur vie et se sentir libre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne pensait qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Mais rien n'est vrai. Oh. Elle a l'air d'être un peu spéciale quand même. Attends, il y a quoi par là? Un coffre. Faut toujours fouiller. Franchement, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Waouh. Ah bah génial. Grilla est toujours dehors. Waouh. Tout est tellement grand. Où est le loup? Il y a une porte menant au sous-sol. Elle est enfermée peut-être plus loup. Ça me fait penser à Mickey. Mickey et le haricot magique. La clé est dans la serrure. On n'a plus qu'à la tourner. Loki. Hé, on connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Presque. Ça y est. Ça fait vraiment penser à Mickey et le haricot magique. C'est un truc de fou. Il manque plus que le géant. Et ses tours de magie. Je crois que j'entends quelque chose respirer. Moi aussi, mais je n'entends pas leur voix. Faut aller là-bas, mais je veux bien aller voir là-bas. Hop. Et c'est tout. Ça me fait limite un chouïa flippé hein, quand même. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. Ah ah. Y a rien d'autre.
à faire tomber. C'est bizarre. Oh. J'ai failli louper ça. Ah bah tiens. Voilà. Par contre, on fait un de ces bouquins. Il y a plein d'argent en plus. Et des tomates là où je sais pas trop ce que c'est. Bon, tu m'en veux pas, mais je casse un peu tout. Hein. Je ne ressens rien. Comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Oh la vache, c'est un serpent. J'avais même pas fait gaffe. Tiens ça. Il est énorme en plus. Il n'y a pas un géant que tu aimais. Pas trop. Quoi? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr? Non. Oh punaise, par contre il va se réveiller, ça va un peu me foutre les chocottes. Il est impressionnant. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble. Vecchia. Oh bordel. J'en sais rien. Tiens. Quoi, t'abandonnes déjà? C'est ta responsabilité. Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki. Tu en es certain? Je m'appelle Atreus. D'accord. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venu. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Le serpent était très joli, mais assez flippant aussi. Hein. On va pas se le cacher. Oh, les marches, ils sont énormes. Nous devons fermer la porte. J'arrive. J'ai tellement peur que l'autre elle nous pop à la gueule. Ça me fait un peu stresser là pour le coup.
ça va. Hein. Et après, cache-toi dedans. Cache-toi. Oh, punaise. De gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Oh, le pauvre. Mais elle va le tuer. Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Oh purée, maintenant ça me fait penser à Jack et le haricot magique, ça me fout les boules. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire des âmes. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûr de toi? Non. Mais on peut pas rester caché là. Entendu. Et... Tu étais prévenu. Je t'avais interdit de revenir. Cause toujours, regarde-moi. Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie. Les choses pourraient se passer. Ok, allons-y. Le pauvre. Allez, enfuis-toi. Oh non. Tu n'es pas venu seul. Loki. Loki. Sortez de chez moi. Qu'est-ce que t'es moche. Vouloir y retourner ? Je te l'ai dit, il le fait. Je vous entends. Franchement, j'adore cette scène. Ça fait trop penser à plein de films là. J'adore. Ça me fait un peu flipper, mais j'adore. Là, il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser ? Ouais. Attends, comment ça traverser ? Je saute ? Vas-y, vas-y, vite, 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 vite. Oh non. Elle a une... Ouf. Elle a une barre de vie. Le champion des Yotnars. Dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père fasse l'arme à gauche. Ne parlez pas de mon père. Attends, attends, parce que là, comment je suis censé la vaincre? Ok. Tu seras parfait en laquais d'Odin. Taisez-vous. Ce sera un si bon père qu'il devra oublier le tien. On n'a rien de temps. Taisez-vous. Ça va, je comprends un peu ce qu'il veut faire. Ok. Merde, pourquoi le chaudron. Es-tu venu ici? Non, va-t'en. Oh merde. Descends du comptoir. Vous êtes des géants minables. Tous les deux. Cette bougie là-bas, ça la sauvera peut-être si je la touche. Elle est assommée. Hop, vas-y le chaudron. J'ai honte d'être ta grand-mère. Oh purée. Il va toucher les runes sur son chaudron. Son ne m'approche pas. C'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Rien qu'une distraction. Stay. Vous ne toucherez pas à mon. Oh bordel. Vite. C'est bon.
sans bastin on peut pas aller en bas hein. Oh bordel, c'est quoi cette merde? Vas-y. Parfait. Pourquoi t'acharnes-tu contre moi, petite fille? Remonte. Je ne t'ai rien fait. Ce ne sont que des amis. Ah mais là, il est pas de mon côté. C'est tout ce que j'ai. Ouais bon, il n'y a pas besoin de tirer dessus en vrai. Ok. Laisse-moi tranquille. Non. Ouf, redescend. Ok. Attention. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es méchante. Voilà ce que tu me fais. T'es une vilaine géante. Pourquoi il est de... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais du moonwalk là? Attends. Aïe. Mais je peux plus rien faire là. Si tu parviens à l'attirer près d'une bougie, on pourra l'assommer. Ok d'accord. C'est bon. Je pense que là c'est bon. Yes. Vas-y. J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en. Fiche le camp. Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi. Pas même Loki. Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire. Il sera trop occupé à pleurer son père. Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Tu es sûr qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher. Elle me laissait à manger avant. Quoi? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais... Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule en avait le secret. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher? Franchement, c'est peut-être limite la meilleure séquence depuis le début, je trouve. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Ah non, dans le sens où je veux dire que c'est peut-être l'un de mes moments préférés depuis le début du jeu. Ingerboda. Ça va. Ça devait arriver un jour.
nous serons rentrés une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En deux manches gagnantes ? Atreus. Une course ! Allez ! Je sais ce que t'essaies de faire. Tu prendrais ta revanche sur la Et dernière j'apprécie. Fois. J'apprécie. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Pour moi, elle connaissait le chemin. Alors prouve-le-moi ! Un, deux, trois, partez ! Allez. Alors, tu viens ou pas ? Oh, la tricheuse. Allez, allez, allez ! Ton renard ? Oh non, tu triches ! Oh. Attention au virage ! Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu dis. Ce oh, j'adore. Ce toujours merveilleusement bon. Je suis sûre que ton nez est plus fin comme ça. Je ne te laisse pas distraire. Oh, ne me dis pas que t'es déjà fatiguée, si ? Non, sûrement pas. Oups. Vas-y. Wow. Tu vas vraiment encore me laisser gagner? Allez, Atreus. Ne t'emmèneront pas plus loin. On y est presque. J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner? Tu étais sur un renard magique? Loki, Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Bien, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir ? Uniquement si tu le souhaites. Ta prophétie ne précise pas quand tu dois partir. Ma prophétie. Bah, je pense qu'il est quand même temps d'y aller. Tu n'y crois toujours pas, hein ? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide ? Je pense que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Lofey. Ma mère ? J'aimerais qu'il ne soit pas vide, mais... Je sais ce que ça fait... de perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... Tu as encore le temps... de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... J'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit, quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée.
Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre la force dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison, visualise-la et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. Autre maison. Oh là là, comment vous dire que là ça craint. Allez, on va se laisser ici. Il y a du peuple, hein. On va dire ça comme ça, on s'est un peu trompé de maison, je pense. Il fallait peut-être aller chez Sinnery plutôt. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre Let's Play sur The Far Ragnarok. Et tu vas te calmer.